Salut à tous, je viens de la planète Naboo, je suis la princesse Leia. Pour moi, c'est 3P2 et R2D2 sont des rois. Les robots du côté rebelle sont très fidèles, tandis que les robots du côté obscur sont des ordures. Mes robots à moi favorisent des jeunes dans les hôpitaux. Ils permettent d'améliorer la vie professionnelle des locaux, en supprimant toutes les tâches administratives ennuyeuses, sans oublier les travaux répétitifs et les choses dangereuses. Avec la crise sanitaire, mes robots sont favorisés. La distanciation sociale n'est plus une difficulté. Malgré des contraintes de poussement très élevées, ils sont rapides, précis et effectuent un travail de qualité. Certains vous diront que mes robots détruisent des emplois, mais avec les théories de Joseph Schumpeter sur les destructions créatrices, derrière ces destructions d'emplois, d'autres vont se créer. Parfois, les robots font de la des travailleurs plutôt que de les remplacer. Il faut choisir la combinaison productive la moins coûteuse possible. Pour effectuer des travaux efficaces et efficients, mes robots sont incorruptibles. Les humains ont besoin d'être payés, d'être assurés. Mes robots, eux, permettent une augmentation de la productivité. Salut à tous, je suis la planète Earth. Je suis là pour prévenir sur des choses à venir. Des dangers planent sur ce monde déjà en flammes. Les robots ennemis prennent nos places. Ils sont pour nous une menace. Tous les secteurs sont touchés. Production, banque, assurance, justice sont déjà impactés. Même les plus protégés sont aujourd'hui en danger. OCDE, en 2019, a déjà démontré que moins de 10% des emplois sont exposés à un indice d'automatisation élevé. Mais cette proportion vaut 1,5 million d'emplois et chaque automate peut éliminer 1,6 professions. Cette robotisation fait grandir des difficultés de recrutement pour l'avenir. Caissiers, vendeurs, agents d'entretien, cuisine, aide à domicile galèrent déjà pour réussir. Si on rajoute leur licenciement pour cause de remplacement, comment s'en sortir? Perception, compréhension des réactions humaines, domaine artistique, négociation, dimension affective et intelligence créative sont des sensations qu'un robot ne peut pas refaire. Toutes ces informations pour vous avertir de ce qu'est capable un android. Employeur, respectez vos travailleurs. Hello, je m'exprime depuis Tatooine. Ici, robots et Jedi se complètent. Pourtant, les activités rétribuées les plus qualifiées se retrouvent désormais menacées par l'essor impressionnant de l'intelligence artificielle dont sont munis la plupart des appareils. Jeff Bezos substitue progressivement le capital au travail, action que je considère intolérable. Malgré les contraintes de coûts liées au recrutement de travailleurs surtout, il reste indispensable pour nous d'associer de manière équilibrée les facteurs K et L afin de ne laisser aucun padawan de côté. En effet, il faut s'adapter pour éviter que dans quelques années, tous les secteurs ne soient impactés par cette robotisation effrénée.